Hey yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Obscure Clan. Et non les gars, vous ne rêvez pas, vous êtes bien sur une vidéo du côté obscur. Avant de vous parler, avant toute chose, je vais me présenter. Donc moi c'est Furious, j'ai 19 ans, je suis gérant de cette team avec Furox. Donc non, ne vous inquiétez pas, Furox est toujours présent, il est là avec moi, on va gérer cette team à deux. Donc je suis co-leader, vous l'aurez compris, et aussi player, vous me verrez souvent dans les gameplays ou peut-être même en commentary, même si je ne suis pas commentateur. Donc oui, il n'y a plus de secret, vous l'aurez compris, l'Obscure Clan fait bel et bien son retour. L'Obscure Clan est quand même, je le rappelle, deuxième au classement européen des team performance. Avant tout les gars, je vais vous expliquer deux trois petites choses, mettre les points sur les i avant que les questions ne ressortent dans l'espace de commentaires. Donc les styles des vidéos de l'Obscure Clan ne seront pas comme avant, tout simplement parce qu'il n'y aura pas beaucoup de performances, car vous le savez, cette année c'est l'année de Call of Duty Black Ops 4 et je pense aussi dans quelques années suivantes, comme l'a fait BO3. Donc au niveau du contenu de la chaîne, il n'y aura pas beaucoup de performances. Bien sûr qu'il y en aura, certes, parce qu'il y aura quand même des gros gameplays qui vont sortir au niveau des players, peut-être même de moi-même. Mais en tout cas, je pense que de faire des doubles ou des triples, voire des quads nucléaires dans ce jeu, ça sera très rare. Peut-être au niveau du mode hardcore, on sait pas, on verra bien de toute façon à la sortie du jeu. Donc au niveau du contenu de la chaîne, attendez-vous plutôt à des tutos, des apps, peut-être des montages. On fera beaucoup de live également, ça sera aussi beaucoup de news. En gros, on va faire du contenu, on va essayer de faire du contenu varié. On va avoir beaucoup de délire aussi entre nous, parce qu'entre membres, vous savez, on n'est pas qu'une team, on est aussi des potes. En parlant de ça, j'aimerais bien en venir au sujet du recrutement, avant que la question ne soit posée également. Pour le recrutement, on ne va pas faire de recrutement challenge, non, car moi et Furox, on trouve ça plutôt inutile. Donc au niveau du recrutement, ça se fait directement sur Twitter. Si vous êtes intéressé à rejoindre le côté obscur, vous nous contactez directement sur Twitter. Mon Twitter ainsi que le Twitter de Furox sera en description. En sachant qu'on recherche de tout des streamers. Par contre au niveau des streamers, c'est OBS, hein, obligatoire, vous le savez. Après des players, commentateurs, etc, etc. Vous savez tout ce qu'il y a dans une team. Enfin bref, je pense que j'ai fait le tour sur ça. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais qui dit nouveau départ, dit nouvelle chaîne, donc non, pas nouvelle chaîne puisque vous êtes toujours sur la chaîne de l'Obscure Clan, qui est toujours la même, mais un petit nettoyage a été fait par Furox, donc il n'y a plus de vidéos en ligne, les vidéos ne sont pas perdues, elles n'ont pas été supprimées, elles sont juste en privé. Vous aurez peut-être pu remarquer aussi le nouveau design de la chaîne, donc nouveau design réalisé par Agony, vous connaissez les bails et franchement, gros GG à lui. Avant de vous quitter, j'aimerais quand même vous parler du gameplay, gameplay qui a été réalisé par Noname Graphics, qui est donc une nuque en solo sur la bêta de Call of Duty Black Ops 4. Son Twitter sera également en description et franchement, gros GG à lui. Bref, je vais vous laisser là pour le moment, on se donne rendez-vous du côté obscur prochainement. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir pour ce retour, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis ciao, peace.